perdu les rushs, mais c'était une erreur, ça arrive à tout le monde et j'essayais de bien faire. Pendant la journée, j'avais tout bien fait à part ça. Je suis vraiment si chiant. Attends, je t'arrête tout de suite, ok? Toi, t'es un champion. Toi, tu me fais rire tous les jours de la semaine, de toute l'année, ok? En même temps, il Alors, faut tu dire que commences t'es pas à un petit peu douter. lourd quand Moi, je même. t'aime, T'en ok? fais quand même souvent un peu trop. Hein? Et la petite, là, elle est fatiguée, elle bosse, elle se donne à fond. Et tu fais jamais. Mais moi, tu me fais marrer! Mais attends, mais mec, t'es au top! T'es tout le temps au top! Et puis, t'es beau gosse, t'es Sans quand même vouloir beau te gosse, manquer de quoi! respect, machin, tu ne me fais pas rire à part et encore quand tu te casses la figure. Mais attends, mais on peut pas en arriver là où t'es sans talent et sans professionnalisme! Donc, zip it là! Mais alors toi, l'imbécile avec ton bonnet là, hein, à part dire des conneries, et je suis désolé de mes mots, mais il y a un moment, c'est chiant. À part dire des conneries, qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu Karine Viard, tu fais? peux juste baisser le son là? Ne Parce mêle que pas Karine Viard à tout déjà, ça, je ok? pourrais t'écouter, et puis c'est super désagréable en fait. Il faut être professionnel dans ce milieu pour arriver à quelque chose, hein. Alors, il y a un moment, les gens Bon, là, commencent un ça me saoule, peu là, c'est bon. à, tu vois, à chauffer, quoi. C'est comme une théière, après ça explose. Les frères Taviani, quoi. Ils ont gagné la Palme d'Or à Cannes en 1977. Machine, quoi. Tu t'es surpassé, machine, là. Ah ouais. Ah ouais, le boss, il va être content. Alors, je m'apprête à aller faire une interview aux frères Taviani, hein, pour leur film en compétition, Cesare deve morire. En fait, il s'agit essentiellement de la pièce de théâtre de Shakespeare, Jules César, qui a été jouée dans la prison, dans l'une des prisons les plus dures de Rome. Et donc, hier, il y a eu l'avant-première, standing ovation du public. À ce qui paraît, c'est le premier grand coup de cœur de la Berlinale. La machine reste quand même italienne, donc du coup, elle espère que, hein, un petit prix pour les Italiens. Hein. A Rebibbia fanno degli spettacoli dei detenuti recitando Shakespeare. Quella sera leggevano dei canti di Dante. Ha detto, ecco guardate, io ora leggo Paolo e Francesca, il canto di Paolo e Francesca. E vorrei dirvi che nessuno come me può capire quello che dice Dante, perché noi siamo separati dalle nostre donne, le vediamo una volta ogni tanto, magari dietro un vetro. Ritorniamo nelle nostre celle, l'amore diventa esasperazione. Allora abbiamo detto, vabbè, questa è un'esperienza, un'emozione così grossa, noi non possiamo, facciamo il cinema, mettiamo da parte tutti i progetti che abbiamo e facciamo un film su questo. E così è nato il film. Passavano facilmente dal dolore, dalla violenza, poi invece con cui reagivano a questo dolore. E noi ci siamo chiesti, ma perché hanno voluto veramente esporsi in questa maniera, dicendo proprio chi erano? E poi abbiamo capito perché loro sono là, chiusi nel silenzio, e loro, sapendo che questo film andrà in giro, Italia, fuori Italia, loro volevano gridare a chi magari li ha dimenticati. No, noi siamo qua, siamo nel silenzio, ma siamo veri, siamo vivi e voi non potete dimenticarci. Noi siamo registi che, a differenza di altri, noi amiamo immensamente i nostri attori. La mia moglie sempre si inalbera, dice, no, le donne non le devi amare. Invece no, le amiamo perché loro hanno messo tutta la loro esperienza. Anche perché nel loro viso comunque, nei loro occhi, nel loro sguardo, nella loro parlata c'è tutto il loro passato. Quindi anche senza volerlo loro portano un in più alla qualità di attore che hanno. Les frères Taviani sono dei fous, hein. Enfin, ils sont trop gentils, ils sont trop adorables. Je suis vraiment contente. Encore les rushs, tu m'en veux encore pour les rushs? Mais t'es là pour ça quoi! Une erreur, ça arrive à tout le monde! Ouais, d'accord, aujourd'hui tu m'as encore lâché peut-être. Je suis allé chercher des places à une soirée, t'avais ton interview, mais t'as bien dit. Ouais. Je pensais que tu voulais y aller seul. Ouais, d'accord. Non, déjà, arrête là de faire ça, là ça sert à rien, ce qu'on fait là, c'est tout ça en bois, je t'emmène à ma soirée. Je te dépêche, ok? On va s'éclater.
I consigli non si danno mai, perché io mi ricordo il grillo parlante di Pinocchio, e quindi noi mi ricordo che dicevamo, sono come andare a fare la guerra. Ma devi mettere in conto che almeno 5 anni li puoi perdere. Dopo 5 anni poi...